Matin, vendredi donc 16 août 2024, le conseil d'administration de la SAED s'est réuni ici au siège de la SAED dans la salle de réunion Sidi Mokhtar Keïta pour procéder à l'installation de M. Alassane Ba, directeur général de la SAED, en tronc. Je voudrais profiter de ce moment solennel pour remercier d'abord les autorités sénégalaises pour avoir eu confiance en moi en un certain moment. Nous avons, autant que faire se peut, essayé quand même de réussir cette mission qui nous a été confiée. Dieu a fait que cette mission finit donc aujourd'hui. Et je suis aussi très heureux de voir que mon remplaçant, M. Alassane Ba, ingénieur agronome, qui a fait toute sa carrière à la SAED, avec qui j'ai travaillé pendant plus de 25 ans, et qui présente effectivement le meilleur profil pour occuper ce poste-là, cela me fait beaucoup plaisir. Et je sais qu'il va réussir avec l'ensemble donc de l'équipe qu'il a trouvée ici. Je ne dirais pas que c'est une continuité, forcément, il va amener sa touche conformément à cette nouvelle politique qui aujourd'hui les autorités ont définie par rapport à la transformation systémique de notre système agricole. Je souhaite plein succès à mon frère Alassane Ba et je lui assure de tout mon soutien et de tout mon engagement en tout cas à répondre à ses sollicitations en cas de besoin pour des conseils avisés. Merci Alassane Yalla Yalla Gapol. Merci mon grand. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui a permis la réalisation d'un tel événement. Un événement qui consacre ma nomination à la tête de la SAED en remplacement de mon grand frère Aboubakry Sow. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre Ousmane Sonko pour m'avoir choisi pour être la tête de cette importante société qui est un levier de développement. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier le docteur Mabou Wadiadj, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, qui a plaidé pour mon dossier. Remercier également le docteur Alpha Ba, qui a également défendu mon dossier. Et remercier tous les anonymes qui, dans la discrétion, ont plaidé pour moi. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier le directeur général sortant, Aboubakry Sow, qui est mon grand frère, qui m'a formé, il faut le savoir, qui m'a permis également de fouler le sol de la Mecque. Ça également, je voudrais le dire tout haut, pour que les gens le chassent. Je voudrais également vous dire que je suis à la disposition de tous les partenaires pour continuer, amplifier les résultats qu'on a déjà eus au niveau de la SAED. Il y a beaucoup de chantiers que nous allons entamer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à la nouvelle politique que le chef de l'État a définie. On parle aujourd'hui de rupture systémique et nous allons aller vers de nouveaux chantiers qui vont permettre de redorer le blason de la vallée et aller résolument vers l'objectif que l'État s'est fixé. Il s'agit de la souveraineté alimentaire du pays. Donc j'appelle tous les acteurs, tous les producteurs de la vallée, tous les partenaires techniques et financiers, mais également tous les agents de la SAED pour se mobiliser autour de moi pour réussir ce pari. Avec l'appui du Tout-Puissant, le Seigneur, j'espère que nous aurons des résultats probants.